Victimes de la surpêche et de la destruction de leur habitat, plus du tiers des requins sont aujourd'hui menacés d'extinction. Voici l'un des enseignements de l'Union internationale de conservation de la nature qui a rendu public ce samedi sa liste rouge des espèces en danger. Dans cette mise à jour, environ 600 espèces ont été réévaluées et les principaux changements se trouvent parmi les requins. Davantage d'espèces sont répertoriées comme menacées, c'est-à-dire 37%. La dernière fois que les requins ont été complètement réévalués, c'était en 2014 et environ 33% d'entre eux étaient menacés, ce qui signifie que les requins et les raies sont de plus en plus menacés d'extinction. Au total, 28% des 138 000 espèces répertoriées sont menacées d'extinction, un rythme 100 à 1000 fois supérieur aux taux normaux selon l'UICN, actuellement en congrès à Marseille. Mais pour la première fois, l'instance a également créé un statut vert pour mesurer la régénération des espèces. L'UICN s'est par exemple félicité de voir 4 espèces de thon pêchées commercialement en voie de récupération grâce à la mise en place de quotas régionaux. Un signe fort qui montre que les espèces peuvent se rétablir si les États s'engagent réellement dans des pratiques durables, estime l'UICN.